Bonjour de nouveau. Nous voilà avec le même thème toujours, mais vu de façon différente chaque fois, pour nous enrichir et nous connaître mieux et davantage, car vous le savez déjà, que nous nous préparons pour un changement total sur toute la Terre. Nos pensées, nos sentiments, nos actions, nos valeurs, tout, mais tout au complet, va changer d'ici la fin du siècle. Et il n'y a rien de nouveau. On nous l'a prédit depuis très longtemps. Et vous le savez que la Terre change plusieurs cycles, elle termine plusieurs cycles. Et à cause de cette fin des cycles, alors les changements seront inévitables. Et ce qui est différent avec les époques précédentes, où on passait par une transformation, ce qui est complètement différent, c'est que la Terre, à travers ses atomes, à travers sa matière, à travers ses particules, va changer le taux vibratoire. Le taux vibratoire de la matière même, et puis nous, nous sommes composés aussi de cette matière, c'est que notre propre taux vibratoire va changer. Et à cause de ce changement, on nous prépare. On nous prépare comment? Eh bien, depuis 2000 ans, on nous a laissé les écrits, on nous a laissé les conseils, seulement nous ne les avons pas toujours compris. Et quel est ce conseil, le meilleur qu'on nous a laissé? C'est l'Apocalypse. Le mot même veut dire révélation. Et c'est à travers ces révélations que nous devons apprendre comment se comporter, quoi faire pour arriver à ce changement complet qu'on attend de nous, car si nous ne serons pas prêts pour ce changement, eh bien, nous serons obligés d'aller ailleurs, d'apprendre ailleurs, car la Terre va devenir un endroit d'harmonie, de beauté, d'amour et de splendeur, et ça va être si grandiose et si merveilleux que nos paroles aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour les décrire. Alors, on nous révèle des choses de façon différente. Ça veut dire que nous vivons une époque apocalyptique. Et cette époque apocalyptique, elle est pleinement là, sur tous les plans, dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, dans toutes les maisons. Seulement, nous ne comprenons pas toujours les messages, nous ne comprenons pas toujours les révélations. Et on nous enseigne, à travers tout ce qui se présente, on nous enseigne comment faire et quoi faire. Vous avez sûrement entendu parler de l'ésotérisme. Nous nous sommes donné un thème général pour les conférences depuis le début de ce cycle, ceux qui le suivent tout le temps. Vous le savez qu'on l'appelle Connais-toi toi-même. Ce n'est pas une phrase nouvelle. Déjà à l'époque grecque, elle était inscrite sur un temple à la ville de Delphes et Socrate a pris cette phrase comme devise. Et depuis, elle reste toujours valable et toujours actuelle car nous ne nous connaissons pas plus aujourd'hui qu'à l'époque grecque. La conscience a travaillé quand même certaines choses, elle s'est éveillée un peu, mais notre conscience était tournée vers l'extérieur. Nous nous sommes enrichis, c'est vrai, mais tout ce de quoi nous nous sommes enrichis, ce sont les choses extérieures. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous connaître intérieurement, c'est de savoir que nous représentons un univers, c'est d'apprendre que nous sommes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et au lieu d'être une créature minable, misérable, souffrante, qui n'est capable de rien, devenir un créateur, devenir un être qui est pleinement conscient de son potentiel et qui utilise son potentiel. Nous sommes encore à l'état enfantin, exactement comme un enfant qui va devenir génie, qui va devenir un saint, qui va devenir un grand initié ou un grand maître, mais quand il est enfant, il n'a aucune notion de ce qu'il va devenir. Alors, il nous faudrait se réveiller très rapidement,
car la nouvelle époque frappe pleinement à nos portes. Peut-être on en a parlé un tout petit peu, que dans l'Apocalypse, nous sommes présentés comme la nouvelle Jérusalem. Il ne faut pas croire que cette nouvelle Jérusalem, que c'est une ville quelque part dans un pays, et que voilà, c'est là que l'âge d'or, que le royaume de Dieu, que le ciel va descendre, et que tout cela va s'installer dans cette ville. La nouvelle Jérusalem, c'est nous. C'est un nouvel être, c'est un nouveau comportement, c'est des nouvelles pensées, des nouveaux sentiments, et surtout les actions créatrices, au lieu qu'elles soient destructrices, comme c'est dans la plupart des cas aujourd'hui sur la terre. Et cette nouvelle Jérusalem, qui veut dire la cité de la paix et de la justice dans le sens de l'harmonie, de la justesse, d'un raisonnement musical, que tout résonne en nous, que tout reflète les lois divines, que nous ne transgressons plus. Alors nous ne sommes pas encore cette cité de la paix et de la justice, car ce qui nous régit, ce qui existe en nous avant tout, c'est des lois animales. Et des lois animales sont pour le règne animal et non pour le règne humain. Et vous allez dire, mais comment se fait-il que nous nous laissons complètement influencer par ces lois? Eh bien, c'est qu'on ne veut pas les quitter. Vous pouvez aller expliquer médicalement, scientifiquement, anatomiquement aux êtres, par exemple, de ne pas fumer. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Même s'ils savent qu'est-ce que ça peut provoquer, ils ne sont pas conscients qu'ils introduisent en eux une violence. Ils violentent les cellules des poumons et il y a une guerre qui se produit car les poumons doivent nous amener à la vie. Les poumons doivent purifier le sang. Les poumons doivent nous lier à l'atmosphère qui n'est pas seulement physique. On ne connaît pas notre atmosphère, car dans notre atmosphère que la science connaît, il y a une autre atmosphère qui est l'atmosphère spirituelle, et dans cette atmosphère spirituelle, il y a une atmosphère divine. Et nous nous coupons complètement de l'atmosphère spirituelle qui n'est rien d'autre que l'amour, et nous nous coupons d'une autre atmosphère qui est le noyau, qui est l'atmosphère divine, qui est la lumière. Alors nous nous coupons de la lumière, nous nous coupons de l'amour par nos habitudes misérables, minables, qui nous amènent à la mort, à la maladie et à la souffrance. Eh bien, ni les preuves, ni les explications, ni les révélations ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'elle va recevoir? Eh bien, elle va recevoir les coups beaucoup plus drastiques. Et c'est seulement à travers ces coups qu'elle va se réveiller et qu'elle va commencer à se lier à tout ce qui nous entoure le plus beau. Et voilà, une petite partie de l'humanité, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça a été déjà calculé bien auparavant, on nous a dit que peut-être un tiers, peut-être un quart de l'humanité d'aujourd'hui arrivera à cette vie nouvelle, à ces vibrations élevées, à cette lumière superbe qui nous habitera et qui nous permettra de devenir créateurs. Si vous parlez aujourd'hui avec quelqu'un qui ne connaît pas encore que nous sommes à la porte de la vie nouvelle, ils vont être effrayés que vous suivez déjà quelque chose de nouveau, que vous croyez aux extraterrestres et que vous vous dirigez vers la lumière. Votre lumière même va leur faire peur. Parce que ce n'est pas très catholique, même si les catholiques ou n'importe quelle autre religion, même s'ils se tuent entre eux-mêmes. Mais si vous vous dirigez vers la lumière, eh bien ils vont être effrayés. Et ce n'est pas nouveau non plus, lisez la vie des saints. Lisez la vie de Saint Jean de la Croix. Lisez la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et vous allez voir, quand elle a pris une décision absolue de se diriger vers la lumière, comment elle était attaquée et comment elle était considérée. Et les martyrs de jadis et tous ceux qui ont souffert pour la vérité et la lumière, eh bien, c'est parce que les ignorants et les stupides avaient peur de cette lumière. Mais aujourd'hui, la terre
fera naître les héros. Et nous vivons une époque héroïque. Et c'est à nous de se décider de devenir un héros ou de rester un lâche, comme on l'a fait à plusieurs reprises dans le passé. Et alors, nous n'osons pas même de dire à quoi nous nous intéressons, qu'est-ce que c'est que nous recherchons, parce que nous serons considérés par nos amis comme des flyés, comme des, je ne sais pas, pas tout à fait normaux, parce que nous commençons à rechercher la lumière. Nous n'acceptons plus l'obscurité intérieure et nous ne voulons plus servir le diable. Et alors, on n'ose pas, on est gêné de dire à nos amis, à notre famille, qu'est-ce que c'est que nous recherchons, qu'est-ce que c'est que nous voulons. Et le thème des conférences, ça va, connais-toi toi-même, mais nous entendons d'autres termes. Nous entendons le terme, par exemple, l'ésotérisme. Qu'est-ce que c'est cet ésotérisme qui cause aujourd'hui tant de débats et tant de discutes et de disputes et de toutes sortes d'affaires? Et on ne nous a peut-être pas assez éclairé, on ne nous a assez expliqué qu'est-ce que c'est cet ésotérisme. Et tout le monde a peur d'ésotérisme. Hier, seulement hier, en revenant de Sherbrooke, on a entendu une petite conversation. Il y avait des jeunes qui servaient dans un local et que voilà, ils l'expriment. Il y a un qui commence à parler un peu des choses ésotériques. Et l'autre qui dit « Oh, moi, je ne touche pas à ça parce que c'est trop dangereux. » Eh bien, pourquoi ça serait dangereux? Et qu'est-ce qui est dangereux? Et qu'est-ce que je ne veux pas toucher s'il s'agit de moi-même, s'il s'agit de mon intérieur? Et c'est qu'on ne s'est pas donné la peine, au moins de regarder dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire ésotérique? Eh bien, « ésotérikos », c'est un mot grec qui veut dire « intérieur ». Mais si on veut aller visiter nos amis, eh bien nous sommes obligés d'entrer à l'intérieur. Est-ce que c'est mauvais d'entrer à l'intérieur? Si nous voulons aller prier dans une église, nous sommes obligés d'entrer dedans dans l'église et nous entrons dans l'intérieur. Et puis l'homme, la science, si elle veut connaître vraiment l'homme, ce n'est pas suffisant de savoir qu'on a deux yeux, deux oreilles, deux narines, la bouche. La science, depuis des siècles déjà, va à l'intérieur. Seulement, même à cet intérieur, elle y va quand la vie est déjà partie. L'anatomie, c'est une science magnifique, mais elle étudie l'homme quand la vie n'est plus là. Alors, comment voulez-vous savoir qu'est-ce qu'est vraiment l'homme si on le dissèque, si on l'étudie quand il est mort? Il faut l'étudier quand il est vivant, quand la pensée circule, quand les sentiments sont là, quand il est prêt à faire l'action, quand il est habité par l'âme. C'est là qu'il faut l'étudier. Mais pour l'étudier, eh bien, il faut aller à l'intérieur. Exactement comme la science le fait, elle est allée en dedans de l'atome et elle a même désintégré l'atome. Alors, vous vous rendez compte comment on va dedans, partout? Mais quand il faut aller dedans, pour nous voir, est-ce que nos pensées sont obscures ou claires? Est-ce que je désire à mes voisins quelque chose pour qu'ils s'en aillent au diable ou que je leur désire de trouver la lumière? Qu'est-ce que c'est qui m'habite? Mais moi, j'aimerais savoir. Alors, quand on commence à s'intéresser, mais c'est quoi mes pensées? Comment sont-elles? Positives ou négatives? Parce que peut-être on s'est aperçu que ce positif attire le positif et que ce négatif attire le négatif. Pourquoi on ne s'arrête pas au moins sur la sagesse humaine populaire qui est là depuis des siècles? Il y a une expression populaire qui nous dit « ce qui se ressemble s'assemble ». Eh bien, si les pensées positives se ressemblent, eh bien, c'est qu'elles s'assemblent. Si les êtres lumineux se ressemblent, c'est qu'ils s'assemblent. Allez envoyer une brebis parmi les loups et vous allez voir le résultat. Ou envoyer un loup parmi les brebis et vous allez voir aussi le résultat. Eh bien, c'est qu'ils ne se ressemblent pas et qu'ils ne s'assemblent pas. Eh bien, par quoi nous sommes habités, nous attirons la même chose envers nous, eh bien,
Après, on souffre. Si nous sommes habités par un brouillard, si nous sommes habités par une poussière, si nous sommes habités par la rouille, si nous sommes habités par la fumée, comment voulez-vous qu'on voit clair? Comment voulez-vous qu'on accomplisse des œuvres cosmiques? Comment voulez-vous qu'on aille visiter le soleil, les planètes, les étoiles qui nous attendent? Il y a des écoles et des écoles à l'infini, et puis nous, on reste ici, minables, misérables, parce qu'on ne veut pas se connaître, on a peur de se regarder tel qu'on est, et puis d'améliorer la situation. On en a parlé du karma, je vous ai dit que supposez que vous avez devant votre porte un tas de fumier. Mais au lieu de vous fermer les yeux et de tourner la tête, ça va sentir mal pareil, ça va rester là. Mais si on retrousse les manches et si on commence à transporter ce fumier sur les champs, là où c'est sa place, eh bien on aura des fruits et des fleurs qui pousseront. Et puis ça ne sentira pas mauvais devant notre maison et on aura une satisfaction parce qu'on a accompli un bon travail. Mais ce fumier, il est indispensable parce que sans lui, on n'aura pas de fruits. Évidemment que nous sommes aussi remplis d'impuretés intérieurement. Mais ce n'est pas maintenant en se fermant les yeux et en tournant la tête que quelque chose sera résolu. Et des êtres qui venaient sur la terre et qui sont peut-être là, qui nous entourent, bien, ça dépense certaines énergies. Ils sont peut-être payés par les anges pour venir et pour apporter aux humains des enseignements, pour apporter des révélations. Ça coûte peut-être quelque chose. Et ce sont des enseignants divins qui nous enseignent et puis nous, on se bouche des oreilles et on ferme les yeux et on bouche le nez et on ne veut rien entendre, même si ça sent mauvais. Alors, ceux qui écoutent et ceux qui veulent entendre, qu'ils soient pleinement conscients, 25 heures par jour, que nous terminons la vieille vie, que nous entrons dans la vie nouvelle, et que toutes nos conceptions, et que toutes nos visions, et que toutes nos opinions et toutes nos valeurs, ça va être renversé, bouleversé d'un jour à l'autre, et qu'on a encore quelques temps de se préparer pour affronter deux choses. Ceux qui ne sont pas prêts, ils affronteront les catastrophes, ils affronteront les accidents, ils affronteront une confusion totale qui va aller jusqu'à la folie. Et ceux qui vont être prêts, ils vont affronter des choses si grandioses et si merveilleuses qu'il faut vraiment être bien résistant pour les accepter, parce que ça dépasse toute notre imagination. Et un avenir, mais prodigieux, mais pas d'ici 2000 ans, pas d'ici 20 000 ans, mais immédiatement, il est là, il nous attend. Cet avenir prodigieux où nous allons prendre en main la direction de la planète, la direction de nous-mêmes, et où on va participer au travail universel. C'est fini nos petits jardins, c'est fini nos petites affaires de rien du tout ridicules qui ne nous amènent qu'aux soucis, aux inquiétudes et à la misère. Comme un enfant qui termine un jour son âge enfantin, eh bien c'est fini. Il lui faut changer le vêtement, il change intérieurement, sa voix a subi la mutation et il n'y a rien à faire, il a grandi et puis c'est tout. On ne veut plus le laisser là dans l'état enfantin parce que c'est fini. Alors ça va être la même chose avec nous et même si quelqu'un veut continuer à rester dans son enfantillage, eh bien il restera mais pas sur la terre, ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux ésotérisme qui fait tant de peur à tout le monde? Bien, expliquez bien à tout le monde et soyez des porteurs de la bonne nouvelle. Soyez des êtres sûrs de vous, soyez des êtres éclairés, soyez des êtres stables qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils étudient et de quoi il s'agit présentement dans notre vie. Alors si on vous demande, ben, c'est quoi que tu étudies? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Alors vous n'allez qu'à dire, eh bien tu n'as qu'à me regarder. Est-ce que je suis harmonieux? Est-ce que je suis paisible? Est-ce que je suis calme? Est-ce que j'utilise les mots de blasphème? Alors c'est par votre comportement. Ce n'est pas tellement par les explications scientifiques. On va se dire quelques petites explications. Mais ce
que nous sommes capables de donner aux autres comme exemple, c'est notre rayonnement, c'est notre calme, c'est notre harmonie, c'est notre façon d'agir avec une lumière, avec un amour qui vont rendre tout le monde irrésistible, qui vont nous rendre tellement convaincants qu'il n'y aura rien au monde qui pourra résister à nous. Alors c'est à nous de devenir des modèles vivants d'un comportement de justice, de justesse, de sentiments d'amour, de paix, et que voilà, on devient une cité, une nouvelle Jérusalem. Et puis finalement, s'il y a quelqu'un pour lui expliquer c'est quoi l'ésotérisme, c'est une science. C'est une science sans fin, où chaque mot représente une branche vivante de cette science. Vous prenez n'importe quel mot, vous prenez n'importe quelle lettre, même des lettres, c'est une science. Les voyelles, par exemple, représentent le nom de Dieu. Et dans l'avenir, nous allons apprendre à chanter les voyelles d'une façon très simple, mais d'une façon tellement mélodieuse qu'en les chantant seulement, nous allons nous lier à Dieu et nous allons communier avec Dieu, seulement en chantant nos voyelles. Il y a d'autres choses à apprendre, mais on les apprendra au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, nous devons tourner notre vision. Qu'est-ce que c'est que nous sommes? Est-ce que nous sommes un être animal qui doit vivre éternellement dans la loi de la violence et s'exterminer sur la terre jusqu'à aller déranger le système solaire, ou que nous sommes un fils de Dieu qui doit se comporter dignement, utiliser la lumière et la puissance de l'esprit qu'on nous a donné et qu'on nous donne à profusion, et puis d'être un être digne, universel, tout simplement un fils de Dieu. Alors ça dépendra de nous aujourd'hui de se décider ou de rester avec les animaux et de garder notre violence, notre agressivité et de couper les têtes à tout le monde parce qu'il s'agit de nos petites affaires personnelles qu'il faut garder, ou de devenir un fils divin qui est une centrale de lumière et d'amour et qui déverse tout sur tout l'univers comme le fait le Christ. Et c'est pas pour rien qu'il nous a dit: vous ferez des œuvres même plus grandes que moi. Ben, c'est qu'il le savait. Disons qu'on s'est sali un peu à travers la boue, qu'on s'est souillé et qu'on a transgressé certaines choses, mais c'est peut-être pour apprendre, pour comparer et pour apprécier mieux ce qui nous attend. Alors, ésotérikos, ça veut dire intérieur. Il n'y a rien de peureux, il n'y a rien de risqué. C'est tout simplement intérieur. Tout ce qui nous habite, et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous habite. On nous a dit jadis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Eh bien, c'est à s'étudier. La maison de mon père, c'est peut-être nous. Parce qu'on nous a aussi dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous habite? Alors, c'est peut-être nous, cette maison. Et où sont ces demeures? Eh bien, c'est peut-être nos sentiments, nos pensées, nos actions, notre possibilité de guérir les autres, notre possibilité d'exterminer les maladies contagieuses, notre possibilité de soigner la terre et de communiquer avec les astres. Mais pourquoi pas? Si c'est là, si nous pouvons mettre ces notions dans les paroles, mais c'est qu'il y a une réalité derrière. J'étais toujours frappée par les paroles et je me disais, en Russie, où on n'admet pas Dieu, mais comment se fait-il que ce mot existe? Qui l'a inventé? Et puis, s'il n'y a aucune réalité derrière, mais il faut le supprimer. Et puis l'esprit, et puis l'âme, et puis l'éternité. Mais pourquoi ces mots existent? Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux connaître. Et je veux me connaître où ça existe en moi. Alors, c'est la science ésotérique, et ce n'est pas une secte, et ce n'est pas une religion, c'est une science qui nous découvre ce que nous sommes. Et qui la possède? Les grands maîtres et les grands initiés qu'il faut trouver et suivre. Et qui est le premier qu'on connaît? Eh bien, c'est le Christ. Mais est-ce qu'on l'a suivi? On l'a cloué sur la croix. Et puis depuis, ceux qui devaient le suivre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des croisades
et la politique et tout ce qui menait l'humanité vers la destruction. Alors, de se comporter tout simplement un peu plus dignement et de se dire tout à fait raisonnablement, comme un enfant qui termine son âge enfantin, de se dire, bien mon Dieu, c'est l'âge adulte qui m'attend. Et peut-être il y a des êtres, il y a une famille universelle qui attend de moi des œuvres, qui attend de moi quelque chose que je donne, des fruits, que j'offre des choses merveilleuses, puisque depuis 250 milliards d'années, on m'a nourri, on m'a vêtu, on m'a supporté avec toutes mes impuretés, avec toutes mes saletés. Et bien que peut-être aujourd'hui, je dois me mettre un peu au travail. Et les révélations sont là constamment. Socrate nous les a apportées, la ville de Delphes nous les a transmises, mais est-ce qu'on se base sur quelque chose? Est-ce qu'on se comporte vraiment comme un enfant raisonnable? Alors si on vous demande, eh bien c'est quoi, c'est à quoi que tu t'intéresses? C'est quoi cette science ou je ne sais pas quoi là? On ne sait même pas nommer qu'est-ce que c'est. Eh bien vous pouvez dire tout ouvertement et tout clairement, ben, sans crier sur le toit, vous pouvez dire tout simplement, c'est une science. Je m'intéresse à me connaître intérieurement et ils vont vous sûrement demander pourquoi. Pour mieux vivre. Vous n'allez pas dire tout de suite pour boire l'élixir de vie et pour arriver à la vie immortelle. Parce que le vrai but, c'est ça, pour se connaître et pour faire circuler en nous la puissance christique qui est l'élixir de vie et qui va nous permettre de vivre éternellement. Mais vous allez leur faire peur. Alors dites tout simplement pour mieux vivre, pour mieux vous supporter, pour être indulgent, pour être tolérant, pour comprendre mieux les choses. Parce que si on croit qu'on comprend quelque chose, c'est qu'on se trompe grandement. Dans les évangiles, Jésus donne des paraboles. Mais ces paraboles représentent une science. Chaque parabole, c'est une science. Si on commençait à enseigner à nos enfants la parabole du fils prodigue, comment il s'est éloigné de la maison paternelle jusqu'à aller chercher les pourceaux et les paîtres, eh bien c'est l'histoire de l'humanité. Juste dans cette parabole, on a le programme pour des vies et des vies. Pour le système d'éducation, avec une seule parabole, parce que c'est l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous avons pris ce thème extraordinaire pour enseigner quelque chose de merveilleux à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur donne? Des pistolets. Et qu'est-ce qu'on leur enseigne? Comment détruire les autres. Et dès qu'il atteint 20 ans, eh bien, ils sont prêts à être les chefs de mafia et servir le diable. Eh bien, heureusement que cette époque se termine et que les enfants apprendront les vérités et qu'on ne leur n'introduira plus en eux le mensonge. Je vous dis juste les Écritures. Il y a une autre parabole, comment Jésus a passé auprès d'un figuier et il lui a demandé de lui donner des fruits. Et le figuier a répondu qu'il ne peut pas parce que ce n'est pas la saison, c'est hors de saison. Et Jésus l'a maudit. Mais allez demander aux religieux qu'ils vous expliquent qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se fait-il qu'un si grand maître a osé de maudire un arbre qui donne quand même des fruits, mais quand c'est sa saison. Eh bien, il faut aller chercher dedans, dans l'arbre, qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il représente. Et aller dedans, c'est la science ésotérique. C'est découvrir son symbolisme, découvrir son sens. Qu'est-ce que c'est le sens? C'est ce que nous goûtons, c'est ce qui est la vie, c'est ce qui nous nourrit. Parce que vous prenez un contenant, et dans le contenant, vous allez trouver, bien, le contenant lui-même, qui est l'écorce, vous allez trouver le contenu. Mais même si vous regardez ce contenu, vous ne savez pas si c'est l'eau, si c'est l'élixir de vie ou si c'est du poison. Pour le savoir, il faut le goûter, le prendre. Et se prendre veut dire comprendre. Comprendre, ça veut dire prendre avec nous.
et nous ne savons pas prendre les choses avec nous, donc nous ne savons pas comprendre. Alors, comment comprendre cette parabole? Eh bien, il faut parler à l'âme de cet arbre, à l'âme de figuier, qu'il nous explique quel est son symbolisme. Et imaginez la matière extraordinaire qui attend nos enfants futurs, qu'on va leur enseigner le symbolisme de chaque arbre et qu'on va leur faire goûter l'essence de chaque arbre. Ça n'entre pas tout à fait dans notre tête. Comment faire goûter à nos enfants l'essence de chaque arbre? C'est une qualité, c'est un parfum, c'est une vertu, c'est une âme. C'est de déguster cette âme qui s'exprime à travers chaque arbre que les enfants vont déguster et découvrir. Le sens de l'arbre, aujourd'hui on dit le symbolisme. Chaque arbre sur la terre représente quelque chose. Mais est-ce que nous le savons? Vous prenez par exemple un noisetier. Vous prenez par exemple un amandier. Ce sont des qualités, mais tellement liées à nous, qui sont représentées par ces arbres, qu'on n'a aucune idée. L'amandier, c'est la volonté. Et par sa forme, l'amande, il faut la manger d'ailleurs tous les jours, au moins trois, parce que c'est une matière anticancéreuse. Les amandes. Alors, seulement amandier, eh bien, ça peut nous permettre de développer une volonté divine. Seulement, les noisettes, avec leur petite forme de cœur, eh bien, c'est le cœur. C'est le cœur. Et qu'est-ce qu'on connaît? Quelles sont les vibrations de noisetier? Qu'est-ce qu'on connaît? Comment est son ombre? On ne connaît rien. Pourquoi nous recherchons l'ombre pour se cacher un peu, pour se reposer un peu, bien quand on a chaud ou quand on est en route? Pourquoi nous cherchons cette ombre et nous nous appuyons sur un arbre? Bien, il y a quelque chose qui nous attire, mais nous ne savons même pas qu'est-ce qu'est un arbre. Un arbre, c'est une lumière avant tout. Et un arbre, c'est un homme, mais inverse, dans le sens inverse. Alors, qu'est-ce que c'est le figuier auquel Jésus s'adresse? Le figuier, c'est un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, qui s'écrit avec majuscule, devient un fils de Dieu. Et un fils de Dieu a la conscience de tous les fils de Dieu. Il y a des anges, des archanges, des archers, des dominations, des puissances, des chérubins, des séraphins, jusqu'au plus haut degré. Tous ces fils de Dieu, eh bien, ils sont tous aimés par Dieu et ils ont leur conscience, ils ont leur amour, ils ont leur sagesse. Et le figuier, c'est l'homme qui a atteint cette conscience d'un fils de Dieu. Et les fils de Dieu entre eux-mêmes, c'est quoi? C'est des frères. Et ces frères forment la fraternité dont Jésus nous a parlé. Il a pensé un peu à la fraternité humaine, ici sur la terre. Mais surtout et avant tout, il a pensé à cette fraternité de tous les ordres angéliques. Et notre conscience doit parvenir à les comprendre, à les aider, à les servir. Et c'est le figuier qui représente cette conscience fraternelle ou la conscience de l'âme ou la conscience d'un fils de Dieu qui sait quelle est sa place dans l'univers parce qu'il se connaît. Et comment il se connaît? Eh bien, mangez la figue, observez la figue et vous allez comprendre comment nous sommes. De quoi elle est remplie? Elle est remplie de petites graines. Et qu'est-ce que c'est ces graines? C'est nos organes, c'est nos cellules. C'est une petite fraternité intérieure. Puisque nous sommes un être complet, on s'est dit que nous sommes un univers. Et voilà, cet univers, avec la conscience d'un fils de Dieu, qui reconnaît tous les fils de Dieu, parce que peut-être on va découvrir une âme que, d'accord, il y a en nous une âme maîtresse, une âme qui nous habite, qui nous dirige, mais que chacune de nos petites cellules, puisqu'elle est vivante, elle a comme des petites facettes de cette âme, et cette petite facette
Ben, c'est une cellule en elle-même qui est une entité petite en elle-même. Ben, c'est qu'il y a des milliers de petites âmes ici qui nous habitent. Chaque cellule a sa vie. Il y a les cellules des poumons qui ne sont pas du tout pareilles que les cellules du cerveau. Et il y a les cellules des orteils et des pieds qui ne sont même pas du tout pareilles que des cellules d'un œil. Et comment se fait-il que ces cellules doivent vivre en harmonie et se supporter et s'aider et s'entraider et puis que l'harmonie règne? Parce que dès qu'il y a une moindre inharmonie, c'est la maladie, c'est le désordre, c'est la désobéissance. Eh bien, puisque nous sommes un univers, et puisque nous devons nous connaître, c'est cette conscience d'une figue, ça veut dire d'une petite fraternité, des petites filles de Dieu, des petits fils de Dieu qui habitent tout ensemble et qui travaillent tous ensemble. Vous savez comment, qu'est-ce qu'il arrive quand vous avez des crises de foi? Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a désobéi à la loi de cette fraternité, qui n'a pas voulu servir, qui n'a pas voulu faire comme il faut pour aider les autres, et que voilà, eh bien, ça se présente comme une désorganisation, comme une inharmonie, et qu'on souffre. Alors la figue, c'est la conscience fraternelle. Et on va prendre avec le temps chaque fruit, et les enfants, nos enfants, parce que nous ne voulons pas, mais nos enfants voudront. Nos enfants s'émerveilleront de ces fruits, comment ces fruits sont en nous, comment nous sommes remplis de merveilles, comment nous sommes remplis de symboles et de choses dont on n'a jamais pensé. Et alors nous sommes une figue, un fruit savoureux, un fruit avec le goût sucré, parce que c'est quoi ce goût sucré? La saveur douce, c'est l'amour. Nous sommes un être d'amour, nous sommes un enfant d'amour et on refuse d'aimer. D'aimer qui? Mais nos poumons, notre gorge, notre bouche, puisqu'on prononce des blasphèmes, puisqu'on introduit des impuretés en soi-même, on se violente. Et on entretient la loi de la violence avant tout dedans. Et puis comment voulez-vous qu'à l'extérieur ça s'arrange, puisque l'extérieur nous reflète? Alors voilà. Demandez à qui vous voulez qu'il vous explique n'importe quelle parabole de la Bible, des évangiles, et qu'il vous transmette tout ça comme une science, comme un amour, une religion, et comme un art. Parce qu'à travers ce symbole de la figue et du figuier, qu'est-ce que résulte? C'est que Jésus l'a maudit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, maudire? Est-ce qu'on sait nous expliquer? Est-ce qu'on sait comprendre? Eh bien, c'est très simple. C'est que si ce figuier qui représente l'homme, l'homme qui est créateur, l'homme qui est fils de Dieu, l'homme qui doit se nourrir de lumière sans cesse, parce que cette lumière est là à profusion. Je vous le demande, est-ce que le soleil a manqué une journée? Est-ce qu'il a dit demain, je ne me lève pas et je vais faire la grève? Eh bien, si lui, il ne l'a pas fait, pourquoi nous le faisons? De quel droit nous le faisons si ce maître de notre univers, qui est la demeure du Christ, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'est le soleil, et on ne sait pas c'est quoi le cœur du soleil, et que le Christ y habite. Alors, à qui nous désobéissons, nous les bons chrétiens? Eh bien, au Christ. Et puisque nous lui désobéissons, c'est que nous refusons l'amour. Et lui, il est le fils de Dieu. Mais nous, nous sommes des petits enfants, aussi les fils de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'on fera des œuvres même plus grandes que lui. Et si nous n'acceptons pas sa lumière, et si nous n'acceptons pas sa puissance, évidemment que nous ne pourrons pas donner des fruits. Et pour un arbre qui est dans le règne végétal, c'est bien, il y a encore des saisons. Parce qu'il va évoluer et à un certain moment, il n'y aura plus de saison, il sera obligé de donner les fruits constamment. Et c'est ça que Jésus a demandé. Il a demandé à nous tous, à chaque homme de la terre, ce figuier, c'est chaque homme de la terre. Est-ce que tu as tes fruits? Même si ce n'est pas la saison pour un arbre, mais pour toi, il n'y a pas de saison. Tu dois donner et offrir constamment,
parce que la lumière divine et la puissance divine sont là constamment. Eh bien, l'homme répond non. Eh bien, sinon, le résultat automatique, la conséquence automatique de ce non est que l'esprit se retire. Et l'homme est maudit. Et le figuier est maudit, ça veut dire qu'il n'est plus nourri de lumière et qu'il n'est plus nourri, qui était quand même présente, mais il ne l'utilisait pas. C'est comme si vous avez dans votre cuisine, comme on en a dit déjà peut-être, vous avez un robinet, et vous avez deuxième robinet, troisième robinet. Il y a à travers le premier l'or liquide qui coule, à travers le deuxième l'élixir de vie qui coule, à travers le troisième une autre merveille qui coule, mais vous n'ouvrez pas le robinet, eh bien rien ne coule. Alors c'est la même chose pour nous, d'accord. Cette lumière était là, cet amour était là, mais puisqu'on ne les utilisait pas, eh bien ils se retirent. Et ça veut dire, si Jésus a maudit cet arbre, c'est qu'il a retiré de lui l'esprit. Pour nous apprendre qu'il faut bien utiliser cette lumière, cette puissance, qui sont là à profusion, sans cesse, constamment, peu importe si nous sommes méchants ou pas méchants, le soleil nous chauffe pareil. Vous prenez un ivrogne, vous prenez un criminel et vous prenez un saint. Ben, il n'y a pas de différence. Le soleil ne se cache pas devant le criminel et il va chauffer le sein. Il diffuse sa lumière pareillement envers tout le monde. Mais quel travail fait le criminel et quel travail fait le sein avec ce soleil? C'est là la différence. Pourquoi? Parce que le criminel, le voleur, il va chercher l'obscurité pour accomplir ses œuvres. Vous le savez bien que les voleurs attendent la nuit pour aller voler. Tandis qu'un saint, il va attendre le soleil, il va se lever avant que le soleil se lève et il va puiser cette force consciemment pour la donner après aux autres, pour guérir les autres, pour soigner les autres et pour transformer la terre. Alors, voyez que tout ce qui nous entoure est très ésotérique. Vous prenez chaque parabole. Vous prenez n'importe quelle fleur. Je vous parlerai un jour des roses. Là, on les a assez souvent. Je vous parlerai des roses, je vous parlerai de n'importe quoi. Et vous allez voir que chaque chose a ce côté intérieur ésotérique dont on n'a aucune idée. Et même si la science s'occupe bien des souris, des lapins, des moustiques, des bibites, de je ne sais pas, des microbes, ben ça ne nous aide pas trop. Parce que ce n'est pas tellement les manières lumineuses qu'on utilise pour toute cette analyse. Alors voilà, la parabole du figuier, elle est très ésotérique parce qu'elle représente un homme qui doit arriver à la conscience d'un fils de Dieu. Et ce fils de Dieu qui est homme a ses frères dans l'univers entier. Et avec ses frères, il doit former une conscience fraternelle. Il doit prendre avec la gratitude, la lumière, l'amour, l'indulgence, la compréhension et tout ce qu'il nous offre. Mais ils ne nous ont pas exterminés malgré notre méchanceté. Regardez la Terre entière, comment on se comporte après deux guerres mondiales où on n'a pas réussi à s'exterminer au complet, eh bien on prépare à s'exterminer pendant la troisième. Et ça va aller si loin qu'il faudrait que les anges interviennent parce qu'on va déséquilibrer le système solaire. Alors, nous ne nous dirigeons pas vers cette conscience intérieure, fraternelle, la conscience de l'âme, et nous ne sommes pas encore un fruit savoureux qui est la figue. Et à cause de ça, on est maudit. On se maudit nous-mêmes, et d'ailleurs, surtout au Québec, je crois, ce mot est assez aimé. Alors, il faudrait l'oublier, parce que ça veut dire retirer l'esprit. C'était une conséquence. Jésus ne pouvait plus rien. C'était l'arbre lui-même, c'était l'homme lui-même qui était la cause. Jésus a fait la constatation.
Maudire l'arbre, ça veut dire constater que voilà, l'esprit se retire. Alors, on ne peut pas quand même accuser Jésus qu'il a maudit l'arbre. C'est l'homme lui-même qui se maudit par son comportement, par son ignorance, par sa paresse et par toutes ses qualités, entre les guillemets, qui nous amènent vers l'enfer. Alors, c'est quoi l'ésotérisme? C'est une science prodigieuse, divine, qui nous amène dans une école qui s'appelle l'école divine. Et il faut être conscient que la terre entière va se transformer en école divine. Et nos enfants apprendront le vrai symbolisme, le vrai sens, non seulement de chaque arbre, mais de chaque feuille. Il y a un jeu de couleurs inexprimable dans les feuilles d'un arbre. L'arbre forme des éléments chimiques que la science va découvrir. On sait un peu que l'arbre purifie l'air. Tout le monde le sait. Nous, on aime aussi aller un peu dans la forêt parce que ça nous régénère. On était fatigué, puis on a passé par la forêt et puis on est mieux. Et puis on s'arrête des fois. Ce qu'on peut distinguer, c'est que dans la cime, il y a un chuchotement, que les feuilles se parlent. Mais ce n'est pas seulement que les feuilles se parlent par un chuchotement. Il y a une vraie musique. Il y a des couleurs superbes qui se déversent. On va parler avec la sève d'un arbre. Mais la première manifestation qu'on doit montrer, c'est ce petit amour, c'est cette petite dose d'amour pour vouloir à se connaître, à connaître un tout petit peu ce qui nous entoure et qu'avec le temps, espérons, on connaîtra l'univers entier. Alors, l'ésotérisme, c'est une science. Mais ce n'est pas seulement une science. C'est une science qui n'est pas humaine, c'est une science divine. Et cette science divine, à l'instant même, si nous sommes les vrais ésotéristes, comme les grands initiés et les grands maîtres, à l'instant même, à chaque instant, nous sommes capables de tout voir, de tout comprendre, la cause, le déroulement et la conséquence. Vous voyez un paralysé. Et si vous êtes un scientifique de la science ésotérique, c'est que vous pénétrez, vous allez voir pourquoi c'est comme ça, vous allez voir immédiatement la cause, vous allez voir comment il a cristallisé, pourquoi c'est ainsi son état et cette conséquence qui est là, et en plus vous allez voir comment le guérir, comment l'aider. Vous allez voir, un accident quelque part. Et vous verrez la cause immédiatement. La cause pourquoi c'est ainsi et pourquoi ces êtres se rencontrent aujourd'hui et qui provoquent un accident et qu'il y a peut-être un qui s'en va. Et que vous verrez non seulement cela, mais quel remède, quelle aide, quelle solution il y a là à apporter pour que leur âme retire une bonne leçon. Alors, c'est une science divine qui nous permet d'aller dans le sens des choses, qui nous permet d'aller de pénétrer le cœur des choses et de savoir instantanément de quoi il s'agit et pourquoi c'est ainsi, voir la cause, voir le déroulement et voir la conséquence. Vous allez dire, oh ben moi je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes entièrement libre. Il n'y a personne au monde, même pas le Seigneur, qui va vous forcer d'aller apprendre et d'aller en dedans de vous-même. Ça, c'est vrai, on a une liberté qui s'appelle, ce n'est pas vraiment la liberté, mais ça s'appelle le libre arbitre. On nous l'a donné, ça fait longtemps. Et d'après ce libre arbitre, on ne nous force pas. Mais il y a quand même quelque chose qui va nous amener, on dit, jusqu'au pied du mur, c'est la vie.
C'est la vie qui ne supporte pas les parasites. C'est la vie qui ne supporte pas l'imperfection. C'est pas pour rien que Jésus nous a dit de devenir parfait comme le Père Céleste est parfait, parce qu'il connaissait ses lois. Et le meilleur exemple, c'est la nature qui nous donne. Mais est-ce que nous observons la nature? Est-ce que nous regardons qu'elle ne brusque rien? Est-ce que nous regardons comment elle travaille comme un alchimiste parfait? Et n'importe quelle impureté que nous lui donnons, la terre la transmute en fleurs, en parfums et en fruits savoureux. Et nous nous sommes éloignés un peu trop de la nature, des lois de la nature, de la morale de la nature, et nous serons obligés par la vie, c'est la seule qui a le droit de nous obliger, qui nous ramènera de nouveau vers ces lois, vers cette notion, vers ce parfum et vers ce sens de la vie. Alors, ne craignez pas du tout dire à quelqu'un c'est quoi la science ésotérique. La prochaine fois, on va l'expliquer peut-être davantage, parce qu'il y a un autre mot aujourd'hui qui est entremêlé, qui est là et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Il y a le mot occultisme qui fait peur aux gens. Mais si vous vous arrêtez pour savoir qu'est-ce que nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Mais dès qu'on connaît quelque chose, eh bien, ça ne nous fait plus peur. Vous imaginez quelqu'un qui ne sait pas nager. Eh bien, il a peur de sauter dans l'eau. Mais dès qu'on a appris à nager, est-ce qu'on a peur? Au contraire, on adore ça. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais connu l'hiver. Eh bien, de passer un hiver, ben, c'est fatal. Mais dès qu'il a appris comment se protéger, dès qu'il a appris quoi faire et comment se préparer, eh bien, il n'a plus peur. Alors, pourquoi nous avons peur de l'ésotérisme? Parce que nous ne le connaissons pas et nous ne nous connaissons pas, puisque c'est nous-mêmes intérieurement. Eh bien, c'est que nous avons peur de nous-mêmes. Et comme personne ne nous a expliqué même pas qu'est-ce que ça veut dire, bon, les encyclopédies, c'est comme ci, comme ça, eh bien, on a peur. Et hier même, je vous dis, j'avais une conférence à Sherbrooke, et en revenant, j'entends ce jeune homme, parce qu'il y avait des belles images là, et puis quelqu'un a dit, oh, ben, elle s'est déjà réincarnée. Oh, lui, il dit, oh, non, non, moi, je touche pas ça, parce que c'est trop dangereux. Il a raison. S'il ne connaît pas, c'est dangereux. C'est comme si de sauter dans l'eau pour celui qui ne sait pas nager. Alors, si on vous demande ben, qu'est-ce que c'est que vous apprenez dans votre science ésotérique, ben, répondez, dites, on apprend à nager dans la vie. La vie, c'est l'eau aussi symboliquement. Alors, c'est ça que nous allons apprendre, à savoir que nous avons des pensées, à savoir que nous avons des sentiments, à savoir que nous avons des actions, à savoir que de nos pensées dépend le reste. Et quand c'est déclenché par l'action, eh bien, on a déclenché une loi du choc en retour et que voilà la même qualité d'onde, la même qualité vibratoire va nous revenir. Ça veut dire, ça va se rassembler ce qui s'assemble. Alors, qu'est-ce que nous apprenons à nager dans la vie? Nous apprenons à vivre mieux. Nous apprenons à nous connaître. Nous apprenons à devenir le Fils de Dieu. Si ça fait peur à quelqu'un, laissez-le entièrement libre. Il ne faut forcer personne. Laissez-les fumer. Laissez-les cracher. Excusez-moi. Laissez-les se détruire. C'est la vie qui les apprendra. Mais s'il y a un petit message à passer, passez-le par votre comportement. C'est peut-être pas à tout le monde, évidemment, que la parole est donnée, que c'est pas tout le monde, peut-être, qui peut oralement expliquer certaines choses, mais c'est par notre comportement, par notre façon d'agir, de sentir et de penser que nous allons donner l'exemple au monde entier, comme le soleil nous donne exemple. La science va se diriger de plus en plus vers le soleil, parce que c'est la demeure du Christ, mais ils ne le savent pas. La religion non plus, elle ne l'explique pas.
que c'est là le Christ. Et c'est pas pour rien qu'il y avait des civilisations entières qui étaient liées au soleil, parce que c'était le Christ. Eh bien, comme on ne le sait pas, eh bien, on a peur aujourd'hui. Et les Indiens qui viennent d'ici, de ce sol où on marche, mais comment se fait-il qu'ils connaissaient ça? Bien, parce que peut-être ils avaient une intuition un peu plus forte qui leur disait que voilà, il y a quelque chose de vivant. Il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de chaleur et il n'y aura pas de vie s'il n'y avait pas de cet astre lumineux qui représente le Christ, qui est la demeure du Christ. Alors, on apprend à nager dans la vie et à connaître la divinité de l'amour, et cette divinité de l'amour, c'est le Christ. C'est le Christ qui nous montre sa face à travers le soleil. Voilà. C'est ça l'ésotérisme, et la prochaine fois, nous parlerons où placer l'occultisme. C'est quoi l'occultisme? Et comment se fait-il qu'on a peur de lui? Est-ce que c'est la même chose que l'ésotérisme ou est-ce que ce n'est pas la même chose? Et pourquoi ça nous fait peur? Et comment expliquer? Et comment savoir être stable, être pleinement conscient et sûr de notre connaissance? Alors, nous continuerons encore quelque temps à exposer certaines choses sur nous-mêmes. Comment se connaître mieux? Je crois qu'on a parlé de la structure de l'homme, qu'on a parlé de nos pensées, qu'on a parlé comment reconnaître si elles sont belles ou non. On a parlé de nos centrales énergétiques, qui sont les chakras. On a parlé comment on nous amène à se connaître, qui est un chemin initiatique. Initiatique, ça veut dire aller dedans. On en a parlé. Initiation veut dire aller dedans. Et cette science ésotérique, elle s'appelle autrement initiatique parce que ésotérique veut dire intérieur, mais initiatique, aller dedans. Ça veut dire pour aller connaître cet intérieur. Alors la prochaine fois, nous continuerons bien à nous éclairer un peu plus, bien, toute cette science abracadabrante qui fait peur à tout le monde. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.